une réplique, une arme redoutable contre le coronavirus. Merci de nous recevoir chez vous à la maison pour ce grand concert live. Et ce soir, nous allons nous entretenir. Trois grands noms de la musique reggae, mesdames et messieurs, sont au programme pour votre bonheur et pour votre plaisir. Et vous pouvez suivre cette aventure en direct de Waka Showtime Live. A toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue et bonne célébration de la musique reggae. Voici donc pour vous, mesdames et messieurs, le tout premier artiste qui va nous entretenir. Il est originaire du Sangué. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de talent et beaucoup d'énergie à donner ce soir. Il nous promet un show époustouflant. Il nous promet de rendre un vibrant hommage à la légende Bob Marley ce soir pour ce 11 mai. Voici pour vous la révélation Marley d'or 2017. J'ai nommé Osborne Bado. Original vibration spécialement dédicacé à la good vibe. Blessing. One bread, one love. Est-ce que ça va? Toi de l'autre côté, l'inspiration viendra quand il faut. Blessing. Yeah. Blessing. Ok, est-ce que ça va? Vibration. Yeah. Autour d'une équipe forte qui fit l'esprit, au son mélodieux qui installe l'amour dans ce monde perdu. Je crois en ta vue, en te dire sincère, oui. Que l'on voit et écoute chaque jour, tout le temps, mais jamais justice paye. Je crois qu'il est temps de te rejoindre. Car tu es la musique qui nous tient le message de peuples opprimés. Reggae mon chanté, hey, hey, oh. L'aventure continue, mon reggae mon chanté. Positif. L'amour restera chez toi, la fatale pour l'oppresseur. Ta mélodie mystérieuse s'envole de part de l'injustice. T'organises le réveil, le peuple oublié, mais toujours sollicité. Je crois qu'il est temps de te rejoindre. Car tu es la musique qui nous tient le flambeau de l'unité et de l'amour. L'aventure continue, mon reggae man chanté. Oh oui, elle. Ouais, reggae man chanté. L'aventure continue, mon reggae man chanté. Oh ouais. Décide. Est-ce que la bonne vibration là, toi, de ton côté, dans l'underground, soit positif. Bless it. Passe dans le ghetto, mon
tu verras que t'es l'homme absolu qui reconforte au fond de ton esprit tout est positif. L'amour restera chez toi, la fatale pour l'oppresseur. Oui, ta mélodie mystérieuse sonne pour le départ de l'injustice. T'organises le réveil, le peuple oublié, mais toujours sollicité. Je crois qu'il est temps de te rejoindre, car tu es la musique qui détient le flambeau de l'unité et de l'amour. Ouais, l'aventure continue, mon reggae man chante. Oh ouais, ouais, reggae man chante. L'aventure continue, mon reggae man chante. Oh ouais. Original, reggae no style, yeah. Big up, reggae man. Big up, reggae man. Bless it. Big up, reggae man. Big up, reggae man. Bless it. Big up, reggae man. Est-ce que ça va? Original Vibration. Je pense que ce soir, c'est un jour spécial pour toi et moi. Et je pense que tu dois continuer et vivre la vibration quand tu peux, man. Yeah. Yeah. Jusqu'au bout du tunnel, nous n'avons pas le droit de céder la perche. S'accrocher pour avancer, ce sera pour un lendemain meilleur. Où vas-tu mon Africa? Pourquoi ces bruits des âmes sont toujours dans ce refrain? Oh ouais, oh, oh. Il est temps que tu laisses plus de lumière couvrir ta face à toi. Le combat n'est pas fini. Oh, lève-toi, reclame ta liberté. Où est-elle? Où est-elle? L'Ova, 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 j'ai le cœur touché. J'ai le cœur glissé. J'ai le cœur meurtri. Où es-tu passé de l'amour? J'ai le cœur touché. J'ai le cœur glissé. J'ai le cœur meurtri. Où es-tu passé de l'amour? Ouais. Si j'ai le cœur qui saigne, rien que le sang d'innocents qui coule. Réveille-toi mon Afrique, et dans nos bleus de sang, à tes innes, comprendras-tu conscience de ton humanité qui se meurt. Juste un peu plus de justice, en danser sera une victoire face à Babylone. Oh ouais, oh. Il est temps que tu laisses plus de lumière pour que ça passe par toi. Le combat n'est pas fini. Oh, lève-toi, reclame ta liberté. Où est-elle? Où est-elle? L'Ova, 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 j'ai le cœur touché. L'Ova, 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 j'ai le cœur qui saigne. L'Ova, 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 j'ai le cœur meurtri. L'Ova, l'Ova, où es-tu passé de l'amour? J'ai le cœur touché. L'Ova, 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 j'ai le cœur qui saigne. J'ai le cœur en meurtri. Où es-tu passé de l'amour? Pas toi, le combat n'est pas fini. Oh, lève-toi, reclame ta liberté. Où est-elle? Où est-elle? L'Ova, 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 j'ai le cœur touché. J'ai le cœur qui saigne. J'ai le cœur en meurtri. Où es-tu passé de l'amour? Où est l'Ova, 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 l'Ova,
sache que le combat lui continue. Ouais. Blessing, lova, lova, lova. Lova, lova, lova. Lova, lova, lova. Lova, 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 man, lova, lova, lova. Lova, lova, lova. Est-ce que c'est bon? Lova, lova, lova. Pleine inspiration dans le corps. Lova, lova, lova. Et garde le cap un peu plus haut. Lova, lova, lova. Yeah, man. Lova, lova, lova. Lova, lova, lova. Lova, 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 man, lova, lova, lova. Lova, lova, lova. Lova, 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 lova. Lova, lova, lova. Lova, lova, lova. Lova, 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 lova. Man, lova, lova, lova. Yes, I. Est-ce que depuis ton fauteuil, depuis ton portable, tu te sens mieux? Je pense que c'est l'essentiel. Et je voudrais profiter de cette soirée, te dire de prendre les mesures de précaution, vu les circonstances que nous traversons tous aujourd'hui dans le monde entier. Et je pense que les mesures de précaution sont notre premier combat, surtout. Et garde la foi et que Dieu nous bénisse. Blessing! Oh, ja, para pinga, nyanga mina, hey, nyanga mina, ho, nyanga mina. Oh, ati lestira kone boma, nyanga mina, hey, nyanga mina. Cela fait part de mon histoire, la civilisation dans son même continuité, la colonisation en tant que maître sans projet.
mina. O boni banya nga mo baule lai. Banya nga mina hey. Banya nga mina. O ja para pin banya nga mina hey. Banya nga mina ho. Banya nga mina. O wati le sera kone e pomon. Banya nga mina hey. Banya nga mina. Para pin nga be wili lai. A wili lai. A wili lai. A wili lai. Para pin nga be wili lai. A wheelie la, para fina be wheelie la. 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 A wheelie la, anya jama na jama mina hey. Anya kami na ho, anya kami na. O boni banya na mawulilay. Anya kami na hey, anya kami na. Hanya jaman ang kami na. Yes I, anya kami na. Hanya jaman ang kami na. Anya kami na. Hanya jaman ang kami na. Anya kami na. Hanya jaman ang kami na. Boom. Bless it. Et encore merci à tous les fans de la Zik, à tous les fans, à tous les mélomanes de la musique reggae. Et un big up encore plus profond. Je le partage du coup de cœur avec vous. Bless it. Blessing, on va, mesdames et messieurs, vous qui vivez cette aventure en ce moment depuis vos différents domiciles, et bien sûr, ça se passe également dans leur smartphone, c'est n'est-ce pas, Osborne Bado? Justement. Alors, ça t'a fait quoi d'apprécier ce concept aujourd'hui, ce soir? Vraiment, c'est une très belle initiative et vraiment c'est le plus important. Oui. Et je pense que vraiment, je tire chapeau aux organisateurs. Alors, Osborne Bado, on ne peut pas te laisser partir. C'est vrai qu'on va profiter encore de cette sublime voix qui nous transporte dans cette musique reggae. Une musique reggae que je qualifierais de musique reggae lactée. Alors, tu vas adresser un message à toutes ces personnes-là, ces milliers de personnes qui nous suivent en ce moment en streaming sur Waga Showtime Live. Vraiment, je dis un grand merci à tout le monde et à tous ceux qui sont plantés chez eux comme ils étaient présents. Et le plus important, c'est de les dire de prendre des mesures de précaution car vraiment la pandémie est réelle. Il faut garder la foi afin que Dieu nous garde. Bless you. Merci beaucoup, Osborne Bado. Merci. Tu peux nous laisser le micro et puis laisse-nous te dire qu'en tout cas, tu nous as encore séduits ce soir. Bravo et merci à vous. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, sachez que nous avons à l'esprit que vous êtes là. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous savons que vous êtes présents. Vous êtes notre opium. Et ce soir, je pense que vous êtes la drogue qui nous transporte. Vous êtes cette drogue-là qui nous anime. Vous êtes cette drogue qui nous donne cette énergie pour vous entretenir depuis le Sénaza et pour le compte donc de ce grand événement dénommé Covid Live. C'est une des rares fois que l'on voit des choses comme ça. J'allais dire, à la limite, c'est la première fois. Et ça se passe ici au Sénaza. Tout à l'heure, vous allez découvrir un peu les organisateurs de ce concept. Un concept qui est salué à sa juste valeur par les autorités même de ce pays. Et je suis convaincu également que c'est un concept que vous, internautes, vous allez saluer à sa juste valeur. Ça permet aux artistes de pouvoir s'exprimer. Ça permet aux artistes de pouvoir partager avec vous ce qu'ils ressentent en ce moment, dans cette période de confinement, dans cette période de coronavirus, pour dire que le coronavirus est venu nous trouver dans notre environnement. L'univers a été créé avant le coronavirus. Il n'y a pas de raison que le coronavirus vienne nous empêcher de vivre. Et ce soir, c'est par la musique reggae que nous nous exprimons. Ce soir, c'est par la musique reggae que nous envoyons cette réplique à cette crise sanitaire sans précédent qui bloque tout à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, nous marquons un temps pour recevoir le message du commissaire général des Marlés d'Or. En temps normal, ce jour devrait être un jour dédié aux Marlés d'Or. On était en train normalement de célébrer le
des artistes au Marley d'or. On est en train de décerner des trophées en ce moment. Le coronavirus nous empêche de vivre cet événement. Mais nous avons trouvé la solution, le Covid Live. Voici pour vous le message de Madès, commissaire général des Marley d'or. Je crois que l'initiative est belle. C'est une très belle initiative. J'ai un grand frère qui dit dans une de ses chansons que lorsque la rivière s'étore, le caïman aussi s'étore. Et je pense que l'intelligence, c'est savoir s'adapter. Et je trouve que c'est très intelligent de la part de l'équipe. Et je vous dis déjà félicitations pour cette initiative-là. Et parce que moi, je suis celui qui pense que c'est facile de critiquer. J'aime les gens qui sont dans l'action, qui font des choses. Et vous êtes en train de faire des choses. Ça, je vous dis encore félicitations. Ça coïncide avec le 11 mai. Et ça fait quoi, 39 ans que le King nous a quittés. Donc, on dira que c'est la vie. Il a dit dans une de ses chansons, Bob Marley, mystique, dans une chanson mystique naturelle, où il disait qu'il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air, où il dit que beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir, mais ne demande pas pourquoi. Bref, c'est pour dire que c'est une chose que le King Robert Nesta Marley a dit il y a longtemps. Donc c'est normal que ça arrive aujourd'hui, parce qu'il est temps que l'humanité, que les hommes de la terre apprennent à s'aimer. Il y a une seule religion sur la terre, c'est l'amour du prochain. Le message, c'est un message d'amour. Moi, je dis, mon cœur est tellement petit qu'il n'a pas de place pour la haine. J'aime tout le monde et j'aime ceux même qui ne m'aiment pas. Parce qu'avec le temps, ils vont finir par m'aimer. On dit, la bouche qui t'a maudit le matin peut te bénir le soir. Donc, à la jeunesse du Burkina Faso, je vous dis, c'est une grande jeunesse. C'est une jeunesse qui travaille, continue à travailler. Parce que l'effort, là, ça vient... À force de travail, les choses ont fini par arriver. Et donc, vraiment, félicitations à toute cette jeunesse qui mouve, qui bouge, qui crée. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, il y a une grande création qui est en train de se faire. Et je dis merci à toute cette jeunesse-là. Voilà. On est en temps de Covid-19. C'est vrai que moi, je n'ai pas porté de masque parce que tu es très loin de moi déjà. Et je suis seul. Voilà, donc, portez le masque, lavez-vous les mains. Et puis bon, il faut respecter toutes ces mesures barrières. Quoi, voilà. Aujourd'hui, c'est le 11 mai. On sait tous que 11 mai, c'est Marley d'or qui sonne hein, au Burkina Faso, ce grand festival qui a commencé à conquérir toute l'Afrique francophone. Et je veux dire aux fans de Marley d'or que le Marley d'or 2020, ça tient toujours parce que nous sommes en contact avec toutes ces grosses pointures qu'on veut faire venir au Burkina Faso. Et dès que la santé va rentrer, dès que la pandémie va passer, On va mettre les petits plats dans les grands plats. Et j'en profite en même temps pour dire merci à toute l'équipe qui bosse sur les Marley d'or. Je ne vais pas citer les noms. Et je dis merci à tous ces sponsors qui, depuis le début, soutiennent ce grand festival-là, quoi. Voilà, merci à tous. Que Dieu vous blesse. Yes, man. Retour sur la scène du Sénésar pour le Covid Live. Merci au commissaire général des Marley d'or, Madès, que nous saluons au passage. Et salutations également à l'ensemble des promoteurs de spectacles qui traversent des moments difficiles, qui vivent l'impasse en ce moment pour cause du coronavirus. Nous avons trouvé la solution, nous, acteurs culturels. Nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas rester là, frotter les mains. Nous allons développer des initiatives. Nous allons, mesdames et messieurs, libérer notre génie pour vous servir de la musique live. Et ça se passe ici au Sénésar. Merci d'être avec nous pour cette aventure. Alors public, est-ce que vous êtes encore présent avec nous ce soir pour ce Covid Live? C'est une des premières fois que cela se passe et je suis convaincu que vous allez prendre du plaisir à nous suivre. Et voici donc, nous sommes allés trop vite en besoin. On a voulu tout de suite le voir sur scène. On a tout de suite voulu le voir se produire pour votre bonheur. Mais nous allons le garder pour la fin. Mais celle qui va arriver, celle qui s'apprête à nous rejoindre, est une artiste également. Mesdames et messieurs, qui déménage sur scène. C'est une lionne, c'est une guerrière et c'est une battante. Et ce soir, public amoureux de la musique reggae, nous allons encore une fois de plus se prendre du plaisir à l'écouter et surtout à recevoir l'énergie positive qu'elle va partager avec nous. Mais laissez-moi vous rappeler que depuis maintenant 100 ans,
Nous traversons les profondeurs et nous défions les pesanteurs. Hier, contre la férule humiliante, mesdames et messieurs, nous avons sorti les ailes. Aujourd'hui, nous gardons espoir que nous allons vaincre pour la patrie. Et celle qui va nous entretenir à présent est une passionnée au vrai sens du terme. Elle est considérée à juste titre comme la voix la plus armée et conjuguée au féminin de la musique reggae de notre pays, le Burkina Faso. Elle s'élève, elle chante, elle loue la bravoure, le courage et le don de soi, le sacrifice et surtout, mesdames et messieurs, la dextérité des hommes et des femmes qui sont sur le terrain nuit et jour, vêtus donc de bariolets ou vêtus de blouses pour sauver des malades du Covid-19. Et ce soir, mesdames et messieurs, elle a décidé encore une fois de plus de donner le meilleur d'elle-même pour vous servir et donner encore plus d'énergie à tous ces garçons et à tous ces boys qui se battent pour ce pays et qui apportent au quotidien leur pierre pour l'édifice de notre nation. Voici pour vous, à Covid Live, pour la deuxième sortie, l'artiste la plus armée, conjuguée au féminin, j'ai nommé nous, Raz, elle n'est pas seule, elle est avec les Lions. Yeah.
connectés. Restez connectés, yeah. Bastilo. Ou bien tu souris quand il est samba, dis-moi. On a quitté les souris d'en bas. Yeah.
vous êtes toujours connecté. One love. Merci au Covid Live. Longue vie surtout. Burkina Soldat pour toujours rendre hommage à nos 20 FPS. Est-ce que vous êtes connectés? On va chanter ensemble. Merci à tous et à toutes pour cette initiative. Que Dieu vous donne la force. Merci au Sénada. Merci à mon DG. Merci à tous. Burkina Soldat.
con soda sawe. Kopanga, comrado. Tout le monde, merci vraiment pour cette initiative. On manquait de live. Que Dieu vous bénisse. Merci au commissaire des Madé. Merci à Ogosinaza, à son DG. Merci à tout le monde. Merci vraiment. Merci d'avoir redonné vie aux artistes. Et surtout en ce 11 mai, hommage à Bob Marley, Rastafari, bless tout le Burkina Faso. Peace and love. Merci. Nous rendons les Lions. Joe Rastafari. Tu viens avec moi. Viens. C'est vrai que je ne peux pas m'essayer à cet exercice avec toi parce que tu es trop forte. Merci. Alors vous qui nous suivez en ce moment, est-ce que vous pouvez applaudir pour Nourat depuis là où vous êtes en ce moment? Merci. Les gars, on fait du bruit pour Nourat. Nombreux à te suivre en ce moment sur Waga Showtime Live et sur lefaso.net et un peu partout sur plusieurs autres plateformes en direct sur les réseaux sociaux. Nourat, on a besoin d'entendre un message posé, un message de résilience, un message qui va inviter les Burkinabés à cultiver la philosophie de la positivité face au coronavirus. Et face donc également au terrorisme qui est venu nous arracher un tant soit peu notre sourire, attrister nos visages et nous dire qu'ils sont plus forts. Il faudrait qu'on rappelle à ces mots que le Burkina Faso reste un pays qui va toujours grandir et que les Burkinabés ne vont jamais, jamais baisser les bras. Nous, on t'écoute pour le message. Faut pas qu'on oublie la patrie où l'amour nous vainque. C'est ça nos vises. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous rate ton message. Merci beaucoup. Donc ça résume tout pour les Burkinabés. Alors on dit aussi spirituellement chez nous que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors on respecte les gestes barrières et Dieu y voit tout, il sait tout. Bientôt la paix pour tout le monde. Alors on respecte et on partage tout autour de nous ce qu'on a, l'amour surtout, la bonne vibes, comme Jah nous l'a conseillé. Rastafari bless. Merci beaucoup Nourat. Merci. Et nous avons été très heureux de t'avoir. Merci beaucoup. Sur ce Covid Live avec les Lions qui vont nous entretenir pour quelques secondes. Les gars, gâtez le coin. Merci beaucoup. Alors, vous êtes très nombreux, c'est vrai, en ce moment à nous suivre. Nous sommes ici au Senasa pour le Covid Live. C'est vrai que c'est une salle vide, mais nous sommes sûrs en ce moment que vous êtes très nombreux à nous suivre. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que l'objectif justement, c'est de vous apporter la musique chez vous à la maison, de vous apporter les vibrations positives là où vous trouvez en ce moment. Et merci d'avoir choisi de vivre et de partager ces instants en notre compagnie. Mesdames et messieurs, cet événement était possible. Cette belle initiative a été possible grâce à Vision Parfaite avec Kenzo Clash Likdi, grâce à Ikam Burkina avec Issouf Balimon, grâce à Nos Limites Consultes avec Ibrahim Zerbo.
que nous appelons affectueusement dans le secteur PDG. Et nous allons de ce pas également exprimer toute notre gratitude, surtout nos respects et considérations pour les autorités qui nous accompagnent pour cette aventure. Une belle aventure qui voudrait, mesdames et messieurs, être considérée comme la réplique donc au coronavirus, comme la réplique face à l'adversité, comme la réplique, l'arme redoutable contre les maux qui minent nos sociétés. Mesdames et messieurs, allons de ce pas dire merci au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Merci également au Fonds du Développement Culturel et Touristique avec M. Tourment. Merci au BBDA avec à sa tête M. Walib Barra. Merci à Faso.net pour la qualité du direct et du streaming en ce moment. Merci à Omega également pour le direct. Je salue au passage mon cher ami et frère que j'aime beaucoup, l'ami Traoré. Merci à Balka Culture. Merci à Cosom Culture que je salue particulièrement avec à sa tête son premier responsable. Aspower Moussa Pogo, qui depuis donc l'avènement du coronavirus a développé avec son équipe un esprit, un concept dénommé donc lanceur d'espoir, pour dire que malgré tout ce qui est là, nous devons, mesdames et messieurs, garder espoir et savoir que très bientôt nous allons revenir à la normale. Merci à Moussa Pogo pour le combat. Et enfin, merci à Waga Showtime Live pour la qualité également du live. Ils sont sur place avec nous. Merci au Senasa avec à sa tête Monsieur ZS qui également est monté au créneau et nous a servi de la musique de qualité. Il est allé réchauffer son répertoire et nous avons pris du plaisir. Un répertoire réchauffé et adapté au contexte du coronavirus. Nous avons pris du plaisir à apprécier la qualité du clip. Bravo au directeur donc du Senasa et à l'ensemble du personnel du Senasa. Mesdames et messieurs, nous avons également dit merci à l'ensemble de la presse en ligne. Merci aux journalistes. Merci aux animateurs qui ont contribué à faire parler de cet événement. Première aventure, je rappelle que la prochaine, c'est pour jeudi et l'apothéose est prévue donc pour samedi. Et voici à présent pour vous le dernier artiste qui va nous entretenir ce soir. Nous l'avons annoncé entre temps parce que nous avons eu cette folle envie de le voir tout de suite sur scène. C'est un artiste qui incarne la philanthropie au vrai sens du terme. C'est un artiste où, pour qui l'humain est au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Il sert son prochain sans condition. Il est natif de Tiémélékro. C'est en Côte d'Ivoire chez le voisin là-bas. L'occasion ici pour nous de saluer nos amis et la communauté burkinabé qui nous suit en ce moment depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis le Bénin, depuis le Togo et également la diaspora. On va saluer nos amis du Canada, nos amis des États-Unis, de la France. Ils sont très nombreux à nous suivre en ce moment et de l'Italie également. Merci de nous avoir placé votre confiance, mesdames et messieurs. Et voici donc celui qui va venir nous entretenir pour la clôture de cet événement. Il faut rappeler qu'il a officié donc au sein du groupe Madi Baban, autrefois l'un des meilleurs groupes reggae du 226. Son amour pour son prochain, mesdames et messieurs, a suscité en lui une ferme volonté de militer donc dans l'association Africaine Culture, dont il en est le fondateur, pour donner un sourire et améliorer les conditions de vie des détenus et des personnes qui gravitent autour de lui. C'est un monsieur qui distille au quotidien de l'énergie positive. Il est l'initiateur et promoteur du festival Vent de Liberté. Il est la voix, mesdames et messieurs, qui tonne et qui résonne à chaque fois pour donner de l'espoir. Et ce soir, c'est lui qui viendra nous entretenir. C'est culturellement parlant, c'est humainement parlant que nous allons l'annoncer. L'artiste qui rassemble et unit autour des valeurs humaines. Mesdames et messieurs, voilà celui que j'ai nommé, celui que j'ai apprécié et celui que j'ai bâti ce soir. Le fils du père de la musique reggae africaine, Alpha Blondie. Voici le Jagger du 226. Voici, mesdames et messieurs, pour vous, pour la clôture du Covid Live, Frimantabili. We'll be right back.
Come again,
Maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu étale sa main sur nous pour qu'on puisse vaincre le coronavirus. Bébé en bas, où est-ce que toi là, alors que chez toi, toi tu danses une note. Chérie en bas, où est-ce que toi là, alors que chez toi, toi tu danses une natte. Bébé tu manges quoi? Poulet et poisson. Alors que chez toi, c'est babenda. Chérie tu bois quoi? Tu bois le champagne. Alors que chez toi, c'est ramana. Pandame, pandame, pandame peyoye. Oh! Pandame, pandame, pandame peyoye. L'Afrique chez vous, bonsoir toute la planète Terre chez vous à la maison. C'est depuis le Burkina que nous on vous dit restons debout, car le coronavirus n'est qu'un message et ça va passer. Yama.
enchaîné. Souvenez-vous de Norbert Zongo. Pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Ôter la vie n'est qu'un jeu. Le malheur, c'est qu'il n'y a plus de place. À Kossiam, oui, pour les âmes. Yoroni Tiana, au canapé, soutien. Yoroni Tiana, au canapé, manatien. Merci, merci d'être connecté. Je salue tous les bras morts de Bobo. Voilà. Oui, Alex. Voilà, merci. On te dit bonsoir comme ça. Voilà. Je regarde. Basamuka. Ouais, merci. Job Reggae Festival. Le Coro Fanandé. Merci d'être connecté. Aniche, Boya Djalaye. Leto. Attention. Démocratie, hey, des grâces, quand c'est bon dans un pays, des grâces.
nos hôpitaux. Des grâces. Conservons nos acquis. Des grâces. Ne pillons pas nos écoles. Des grâces. Conservons nos acquis. Des grâces. Ne pillons pas nos marchés. Des grâces. Conservons nos acquis. Des grâces. Ne pillons pas le pays. Des grâces. On s'en ira tout droit au grand mot. Si nous ne prenons garde à nos mots, on s'en ira tout droit au grand mot. L'incivisme, c'est un frère au développement. Revendiquer sans tuer. À tous les étudiants, élèves, professeurs, vos progrès sans casser. À tous les politiciens, opposants, gouvernants, attention à vos actes. À tous les politiciens, CDP, MPP, attention. L'idée, c'est depuis Abidjan, quand nous étions au Massa, et ça a commencé déjà à toucher les différents pays, même si notre pays n'avait pas encore fait ses premiers cas. Et de là-bas, nous apprenions déjà qu'il y avait un cas, il n'y avait pas un cas avec des rumeurs. Donc, du coup, on s'est mis à la réflexion. On s'est dit, ben, si jamais ça arrivait au Burkina Faso, si jamais ça arrivait à Ouagadougou, qu'on devait être en quarantaine, confiné chez nous, comment on pouvait survivre? Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à une idée de résistance et de résilience. Et puis voilà, le concept COVID-là est venu. Et multiple. D'abord,
un sentiment d'un défi relevé, un sentiment de joie et pour ce qu'on a pu faire. C'est pas gros, mais c'est déjà assez bien. C'est avec beaucoup de courage qu'on a décidé de le faire. Et vous connaissez en ce moment la réalité des partenaires et des sponsors. Tout le monde ferme, j'allais dire, son porte-monnaie pour la conjoncture. Merci à ces quelques partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de tenir cette première étape que j'espère bien sûr a fait plaisir aux téléspectateurs, j'allais dire. Prochain rendez-vous, c'est jeudi avec Urban Live en Humou. Ça sera aussi une soirée chaude, une soirée tout nutriente avec des jeunes talents. J'invite tout le monde à recharger ses méga et à rester en ligne, rester connecté sur Olusim Live et Ouaga Showtime Live. Ensemble, on va faire le show. Ça veut dire que l'humanité est en train de s'adapter au progrès. Et nous sommes en 2020. La technologie aussi nous permet de faire des spectacles sales, entre guillemets, vides, mais où les gens sont chez eux et regardent. Voilà, c'est comme une émission télé. Et ça, ce soir, moi, je n'avais pas une salle vide. Il y avait beaucoup d'esprits qui tournaient là, qui étaient bien scotchés, qui nous occupaient, spirituellement parlant. Et on intercède à tous les esprits qui étaient là pour qu'ils puissent toucher un peu quelque chose à l'oreille du Père Céleste, pour qu'ils puissent trouver une petite solution pour que le Covid-19 nous laisse, ou bien qu'on apprenne à vivre avec le Covid-19. Parce que nous allons vivre. Voilà.